Daniel Riolo donne les noms des joueurs qui doivent quitter le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des joueurs que le PSG doit entreprendre libérer s'ils veulent progresser, s'ils veulent aller de l'avant. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, alors on va parler de le grand Daniel Riolo. Pour lui, Messi et Neymar, ils doivent dégager du club. Franchement, moi je l'ai déjà dit cela. Si c'est pour prendre un coach qui fait jouer son équipe, je pense que Messi peut encore apporter. Il peut encore apporter au PSG. Il peut encore apporter au très haut niveau. Mais si c'est pour jouer les contre-attaques, c'est pour jouer les jeux de transition, Messi ce n'est pas un joueur, un footballeur qui est fait pour jouer le jeu de transition. Messi est fait pour jouer la possession, un football de possession. Du coup, donc, si tu veux construire autour de Messi, tu dois chercher un entraîneur qui prône un football de possession. En revanche, si tu veux jouer un jeu de transition, c'est pas toi de Messi, parce que ce n'est pas un registre dans lequel il excelle. C'est pas toi de Messi. Va prendre un joueur qui est rapide, qui est puissant comme Rashford, etc. Et tu vas jouer dans ce registre. Concernant Neymar, moi je pense que Neymar doit vraiment quitter le PSG. C'est un mec qui n'est pas professionnel. Il se blesse, il va au casino. Il peut au casino, il n'est vraiment pas professionnel. Et ça, je ne pense pas que tu peux gagner la Ligue des Champions avec des joueurs qui ne sont pas professionnels, qui s'en foutent du club, qui n'ont rien à cirer du club. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.